Bonjour tout le monde, c'est Ti, on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite du Blossom Zoo. Et nous allons entamer donc l'enclos des pumas, des cougars, car c'est celui-là que vous avez choisi la dernière fois. N'oubliez pas, durant la vidéo, il y aura deux mots pour avoir vos pseudos sur les cougars, quoi. Ils seront un petit peu plus difficiles à repérer puisque je vais les mettre sûrement en tout petit. Enfin, beaucoup plus petit que d'habitude, et puis voilà. Du coup, en fait, la petite particularité, je me suis dit que j'allais trop m'embêter à faire une sorte de limitation entre les deux enclos restaurants avec le restaurant. Du coup, je me suis dit, bah, dans le Endo, j'avais fait un restaurant dans l'enclos des Suricates et Rictrop. Pourquoi je ferais pas un restaurant avec une belle vue sur l'enclos des Pumas? Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, on va créer une nouvelle zone de travail pour les pumas et le futur enclos que vous allez choisir. Du coup, je trouvais ça plutôt intéressant. Surtout que là, le puma, en fait, j'ai décidé de le. Il se trouve un petit peu de partout, mais j'ai décidé de le faire dans une zone plutôt désertique, style Grand Ouest, Canyon et j'en passe. C'est pour ça qu'il est à l'intérieur d'une petite cuvette. Avec donc le restaurant qui va permettre en fait de bah, manger au milieu des pumas et de pouvoir les observer. Le restaurant n'est pas fini. L'enclos par contre, lui, il est fini à 100%. Je finirai le restaurant, toute la déco qu'il y a à côté la prochaine fois. Et on va sûrement entamer aussi la prochaine fois le dernier enclos de la zone Amérique du Nord. Donc ça veut dire qu'une nouvelle zone va bientôt voir le jour. Du coup, une fois que j'aurai mis les bases du restaurant, je vais m'attaquer à l'enclos des pumas et bah, je vais vous prendre à ce moment-là pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai. Depuis la construction du Endovu, je suis devenu un pro du plaçage de rochers. Pour vous dire, j'ai refait ma petite technique pour faire en fait tout l'enclos en rocher. Je voulais que ça fasse en fait une sorte de mine, vieille mine abandonnée avec quelques petites parcelles de sol ou quoi que ce soit qui restaient dans l'enclos. Et je trouvais ça assez sympa. Pour le coup, j'ai fait aussi une petite rivière. Mais là, vous la voyez, en fait, elle va dans les rochers, mais je la change de place après. Il faut voir aussi que j'ai récupéré, je sais, pour ceux les plus assidus de la chaîne, vous savez que dans le Endovu, j'avais fait différentes chambres.
dont une chambre Grand Ouest avec des lits chariots. Du coup, j'ai récupéré mon chariot pour en faire un chariot délabré dans l'enclos pour donner une petite scène en plus. J'ai aussi créé des petites caisses avec les outils, les objets du pack océanique, hein, la fameuse caisse que je vous avais déjà montré, qui est simple à faire, quoi. En fait, hein, vous mettez la fenêtre ou la porte sur tous les côtés et vous avez une caisse, quoi. Hein, voilà, je vais pas revenir dessus. C'était un petit sujet de polémique parce que c'était ça qui m'embêtait de voir sur le workshop. Les personnes qui demandaient masse d'étoiles, qui suppliaient d'avoir des étoiles pour une vulgaire caisse, mais bon. Du coup, bah, moi j'ai créé ma caisse, vous la verrez par vous-même. Et puis voilà. Donc à la fin, le résultat, franchement, il est vraiment très très classe. Le point de vue par rapport aux visiteurs, à part le restaurant, il n'y en avait pas. Alors du coup, j'en ai aménagé un autre, pardon, par la suite, sur le côté, que je vais aussi décorer. Mais ça sera la prochaine fois, puisqu'on va décorer une grande, grande place, histoire de pouvoir harmoniser l'ensemble. Parce que la déco sur le côté, je la laisse un petit peu aller... Enfin, deux côtés pour le moment. Donc, je vais devoir m'y mettre la fois prochaine. Ensuite, on fera un autre enclos. Et du coup, on aura fini la zone Amérique du Nord. On fera les petits détails, les ajouts de dernière minute. Et je vous laisse choisir après la nouvelle zone. Bref, du coup, moi, je vais vous laisser avec l'accéléré. Et puis, je vous reprends au bilan financier.
Thank you.
Voilà pour le petit bilan financier. On m'a lancé des défis. Je vous ai pas oublié, je les ferai, vous en faites pas. On a plein de choses en fait. Et je crois que j'ai oublié de noter comme un bêta. On va augmenter le prix du billet. Let's go. 28$ et 27$ pour les enfants. Et le vétérinaire. Ah oui. Alors c'est ça que je voulais faire avec vous, comment je fonctionne d'un point de vue zone de travail. Donc là, j'ai créé une nouvelle zone de travail pardon, avec des pumas. La zone est simple. Elle est enclos, salle de repos, restaurant, truc pour préparer les repas, là, soigneur. Et j'ai rajouté les toilettes. J'ai rajouté les toilettes. Et dedans, on peut voir qu'il y a deux, trois balayeurs, agents d'entretien, un soigneur et un vendeur et un mécano en plus. Il n'y a pas d'agent de sécurité puisque l'agent de sécurité, vous voyez, ils sont là. Et je vais modifier la zone de travail. Comme vous voyez, tout est bleu. Donc il faut que je rajoute ceci. Voilà. Et donc ils vont patrouiller tout là-dedans. Et en plus, il y a les caméras de surveillance. C'est pareil, il n'y a pas de vétérinaires qui peuvent aller là-bas. Tout simplement parce que j'ai une zone de vétérinaires. Il y en a deux, comme vous voyez, il y en a un qui prend sa petite pause, l'autre qui se dirige vers un habitat. Ils font leur taf, franchement. On s'en fiche un petit peu de ce qu'il y a. Alors, j'aime bien tout sélectionner, mais ça sert à rien. Hein. Le veto, il va juste dans les abris. Hein. Donc voilà. Et là, veto et agent de sécurité peuvent aller de partout. J'ai dépensé énormément de pognon pour cet habitat qui est plutôt réussi, j'aime bien. Avec une sorte de ville mini à abandonner, avec uniquement les sols qui restent. Moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Dans la prochaine partie de la vidéo, enfin la prochaine fois, on va faire toute cette zone. On va finir le restaurant. Donc comme vous avez vu, c'est un restaurant type chalet avec les rondins de bois. Il va s'appeler La Poutine, c'est un nom que vous m'aviez conseillé. Ceci va être décoré, là aussi, tout va être décoré jusqu'à là. Ce qui fait que il nous reste en fait cette partie-là à prendre qui peut abriter encore un seul enclos, je dis bien un seul. Et là, vous n'allez pas me faire craquer, un seul. Et honnêtement, je pense que. Ou alors je pourrais même. Ah, oh, punaise. Ouais, non. Un seul enclos là. Et je sais pas lequel. Adopter des espèces de vivarium. Ok. Donc, d'ailleurs, je vais faire l'allée pour pas que vous me crugez. Longueur. Hop. Faudra que je fasse la barrière là. Hein. J'avoue. Vu que maintenant on arrive à la fin. Hop. Voilà. Voilà. Je vais mettre pause maintenant parce que il n'y a pas de banc, il n'y a pas de poubelle. Il faut que j'en mette. Donc voilà, en gros, il reste une partie là pour un dernier enclos. Je vais vous faire le sondage. Ensuite, ici, on va choisir pour commencer la zone africaine ou australienne. Et alors, attendez, attendez, parce qu'en fait, c'est ça. Je me perds à chaque fois. J'essaye de vous expliquer correctement, mais je me perds à chaque fois. On a un zoo, on a, voilà, zoopédie. On a tous les continents, Europe, Asie, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Océanie. Ok? Donc l'Océanie, vous regardez sur la carte, c'est la carte. Voilà, l'Océanie, c'est tout ça à peu près. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que ici, on fait Afrique ou Asie. Ici, on fait Afrique ou Asie. Alors, ouais. Afrique, Asie, là, Afrique, Asie, là. Donc là, ça va faire Afrique, Asie, Afrique, Asie. Et
ici, on fait là, l'Amérique du Sud. Et soit au-dessus là de l'Asie ou au-dessus de là de l'Asie, selon ce que vous allez choisir ici, on fera l'Océanie. Comme ça, ça reste en fait dans le machin, quoi. Ensuite, ici, il y aura le chemin qui va emmener ici, avec le Nocturnarium qui sera là, le Articarium, la serre arctique qui sera là, la serre arctique, je ne sais même pas si ça existe, ça, et le Retiralarium qui sera là, bien sûr, c'est vous qui allez choisir. Donc voilà comment ça va se faire, et n'empêche, ça prend de la place en ce zoo, moi je veux pas dire, mais voilà. Donc, le prochain... prochaine visite, c'est... oui, la prochaine vidéo, c'est la décoration de là. Je vous mets le sondage pour savoir quel animal on met, et on va regarder donc le bilan un petit peu financier, mais il n'y a pas eu grand chose par rapport à la dernière fois. Réputation du zoo, on est très très bon, marketing, c'est moyen. Satisfaction des visiteurs, éducation, ça c'est bon. On est pas mauvais. Tout augmente. Ça augmente là. Ça augmente là. Ouais, ça augmente. Le marketing, il augmente pas. Le jaune, c'est quoi? L'éducation visiteur, oui, c'est normal. Il a soif, je n'aime pas trop. Ok, donc ça faudra mettre des poubelles. Faim et soif, donc faim avec le restaurant, ça va aller. Et délit, j'en ai pas eu, parce que j'ai eu une récompense tout à l'heure, comme quoi j'avais eu moins de délit en je sais pas combien de mois, donc c'est plutôt cool. On gagne de l'argent, il me semble. Non, on a énormément dépensé en achat. Oh la vache. Environnement. Oh, les pierres m'ont fait mal, hein. M'ont fait mal, hein. Très très mal, mais c'est pas grave. Là, si je mets play, on est à quoi? On va mettre avance rapide. Ouais, easy, easy, c'est bon. Donc, on est bon. Alors, maintenant, on va s'occuper des animaux. Alors, castor. Alors, que je dise pas de bêtises, il y en a un. Alors, je prends au pif, hein. Pourquoi ton abri solide est pas bouillant? Tu l'aimes plus ton abri solide? 40%. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est partout pareil. Ok. Alors ça, c'est à cause d'un truc qui doit bloquer là. Mon avis. Fais voir ton bien-être. 92%. On s'en fiche. Optimisation. Bonus inter-espèce. Non. Ouais non, en fait, on est très large, on est bon. 150 sur 200. Ouais, bon, je ferai ça en off. Alors, de toute façon, il est très bon, vous en faites pas. Toi, tu vas t'appeler Terence. Terence. Toi, tu vas t'appeler... Hop. Alors, attendez. Parce qu'il voulait un match, je crois. Hop. Alors, toi, tu vas t'appeler... Baptiste. Et toi, Olivier. Et on est tout bon. Faut pas que j'oublie le petit astérix, autrement je vais oublier que ce sont des gens. Enfin, que c'est vous. Et ce sera embêtant. Voilà. J'ai envie quand même de regarder le bien-être s'il y en a. Zoé, Poutine. À mon avis, ça c'est le stress, j'allais dire. Habitat, température. Alors ça, c'est pas normal. La température ne lui convient pas. Je vais voir. Tu as trop chaud ici.
On va lui mettre un petit ventilo. Alors, habitat, ventilo. Puis on va le cacher. Hein. Tac. On va le mettre à 13 degrés. Ça devrait être bon. Et voilà. C'est vrai que c'est les élans, c'est pas les. J'ai confondu avec les teints. Du coup, on est tout bon. Honnêtement, on est tout bon. Faudrait que je mette des panneaux d'éducation la prochaine fois. Ça serait pas mal. Ça commence à donner. Le restaurant, on a une superbe vue là. Franchement. Je suis assez fier de ce petit enclos. Je le trouve assez cool. Et ça change. Avec le système de sécurité en plus. Mais il n'est pas fini, hein, c'est pas fini, tout le tour va être décoré, tout ça, tout ça. Donc vous en faites pas, ça va continuer. Bref, du coup, on est toujours tout bon. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.